l'association Art Danse Studio est une association de danse qui fait des cours de danse classique et de jazz. Voilà, nous accueillons les élèves de l'âge de 4 ans jusqu'à 60 ans, 70 ans, n'importe. Nous avons une nouvelle professeure cette année, Aurore Dorigo. Voilà, donc l'association existe depuis 1981. Nous participons à des manifestations oloronaises puisque la JAO Basket de l'Oron nous a sollicité depuis l'an dernier pour faire quelques représentations pour des matchs phares de leur saison ainsi que quelques inaugurations. Nous participons au spectacle du mois de février au profit des Restos du Cœur ainsi que le gala de fin d'année qui se déroule donc toujours au même endroit à la salle Géliot au mois de juin. Sur deux soirées, parce que nous ne pouvons pas en faire une soirée étant donné qu'il y a trop de monde. On propose de la boxe, qui est de la boxe anglaise. Ce sont toutes les techniques de poing que l'on connaît, qui ont plusieurs champions comme Mohamed Ali, Mike Tyson. Voilà, des exemples, ça c'est de l'anglaise. Donc on pratique cette boxe-là et on va rajouter les kicks. Les kicks, ce sont les coups de pied. Donc nous avons les coups de pied bas, dans les jambes, médian et tête. Donc en fait, on propose cette boxe à tous les niveaux. On va du loisir, qui est là pour faire du sport. On se fait pas mal, c'est un sport, on va faire des oppositions avec les mains ouvertes jusqu'au compétiteur. Là on va se faire plus mal, que ce soit au niveau de l'entraînement, le renfort musculaire, les oppositions qui vont être en plein contact. Le plein contact, c'est que l'on recherche le KO. Voilà, le but du jeu c'est de gagner par KO contre un adversaire. Là c'est l'aspect vraiment compétition, on est sur à peu près une soixantaine de licenciés, nous avons à peu près 3-4 compétiteurs. Donc ça reste quand même minoritaire, en majorité, voilà. En majorité, nous avons du loisir, beaucoup de féminines, beaucoup d'ados, d'hommes et des enfants en école de boxe de 7 à 12 ans. Si vous voulez nous rejoindre, c'est au gymnase du collège Tristan de Rheims, à côté de la piscine. Et les horaires, c'est de 19h30 à 21h, le mardi et le jeudi. Il faut savoir que le Sommaire français est la première association privée de France, puisque cette association est né après la guerre de 1870, plus précisément en 1873. Donc ensuite, elle est devenue association d'utilité publique. Le but recherché de cette association, depuis sa naissance, était l'entretien de tombes abandonnées de soldats ou de toute personne tuée pendant la guerre. Le devoir de mémoire est également notre souci. Mais aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons autre chose en tête que le devoir de mémoire, c'est un devoir d'histoire. Parce que comment transmettre la mémoire si on ne connaît pas l'histoire de son pays? Donc le devoir d'histoire qui intervient en priorité aujourd'hui. Autre mission également, je pense que c'est très important par rapport aux scolaires, c'est-à-dire les lycées et les collèges, nous pouvons participer financièrement à des voyages pédagogiques sur les lieux d'histoire. C'est ainsi que nous avons financer quelques associations dans le département qui sont parties à Verdun, au chemin des Dames, sur les plages des débarquements. Voilà.